Ouais, c'est pas mal ça. Allez, 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 Kébé. Allez, trouve un coéquipier. Ouais, mais non, on fait pas ça. Pff. Aïe, 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 aïe. Ah, on galère. Ah, c'est la galère. Pfiou. Oh là là, et ça fait. Allez, Koné cette fois. Pff. Bah, tant qu'ils continuent de tirer comme des porcs au-dessus des cages et qu'ils se croient au rugby, tant mieux. Hein. Moi, je dis pas non. Hein. Bon. Bilot est un peu fatigué. J'ai peut-être dit Bino alors que c'est Bilot. Arnaud Bilot. C'est pas grave. Alors, Arnaud Bilot, t'es mieux offensif central. Ouais, c'est vrai qu'on a le droit qu'à 5 remplaçants. C'est pas flamboyant. Crétin, tu peux aller là, toi? Ouais, c'est pas fameux. Donc là, il y va pas du tout. Et puis Vati, oui. Ouais, c'est. Ah ouais, c'est encore. Bah, vaut mieux encore Crétin. Oh, non, Vincent, il peut pas. Thibaut, bon, il est mieux sur son côté. Kébé, ouais, bon, il est mieux en attaque. Bon, on va voir avec Crétin. Vincent Crétin. Je vais peut-être lui apprendre quand même un petit peu plus. De façon un petit peu plus assidue le poste de MOC. Parce que comme on peut plus recruter, on a plus rien, on a plus une thune. Donc voilà. J'essaierai de lui apprendre le métier de MOC pour avoir un MOC remplaçant. Thibaut! Ah, dommage. C'est train. Ça. On va peut-être changer de buteur parce que là. Ouais. On va mettre Eno. Il est marqué en préparation, Eno. Donc allez, bonhomme, vas-y. Montre-nous ce que tu sais faire. Vas-y. Sauve-nous les miches. Sauve-nous les miches. Vincent sur coup franc. Oh, allez, c'est pas fini. Donc là, un peu loin de ses débuts, c'est pas grave. Oh, pas mal. Dommage le poteau, mais non, c'est pas possible, on n'a pas de bol. Ah, c'est aussi la chance s'y met. Enfin, c'est la malchance s'y met, on va pas y arriver. Oh, on va quand même banquer, c'est un but. Ah, merci Mensah. Ah, Mensah, il fait pas peur, tu vois, il est bien là. Ça, ouais, bon gardien, ça va. Au moins, on est tranquille. De ce côté-là, ça va. Par contre, les relances. Allez, allez. Crétin pour Ndongila. Ndengila. Ouais, Ndengila. Oh, je sais pas ce que t'as voulu chercher, Ndengila. Ouais. Peut-être un copain imaginaire. Je sais pas. Allez, allez, allez. Dernière chance, hein. Ah, ça va être dur de marquer. Bon, bah, 0-0. Bon. On s'en sort plutôt bien parce que Aubervilliers, ils avaient des occasions pour nous mettre des buts. Donc on s'en sort plutôt bien. Fait un bon match. Ouais. Bof quand même parce que voilà. Ouais. On est quand même content derrière. Ça va. Oh, attends. On les félicite. Il a eu 7-4 et déconnecté. D'accord. T'es fort toi. Par contre, devant, bon, on va pas les emmerder. Mais franchement, c'est vraiment bof. Hein. Ouais. Kevin, bof. Bon, Ndongila, on va le mettre au prochain match. On peut pas trop juger parce il a joué quoi 20 minutes à peine, donc on verra bien. Et ouais, on aurait pu largement gagner ce match, mais voilà. Voilà, c'est des débuts compliqués. C'est un match nul, bon, à l'extérieur, donc ça va. On va dire que c'est normal. Alors les autres résultats, ouais, quand réserve qui perd quand même. Hein. Nkololo quand même, Nkololo. Bah quand même, quand vous avez déjà ça quand même dans votre équipe, ça aide, hein. C'est franchement, c'est ouf les réserves. Le Maccabi Paris qui bat la réserve d'Avranches, bon après c'est la réserve d'Avranches. Réserve de Tours qui se fait avoir par la Saint-Privé et Saint-Hilaire, pardon. Ouais, et Oisey, hein, bah ouais, Oisey qui confirme, ouais, en plus c'est eux qui ont gagné contre le camp réserve. Évreux qui gagne, d'accord, et Quevilly en réserve, d'accord, ok. Ok, bah les amis, à l'amende, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? De 14 euros en raison du manque de discipline de ce joueur pour 4 cartons. Ah d'accord, ah ouais, 14 euros, wesh l'amende. Ouais, d'accord. Leroy, entraîneur du Togo, Claude Leroy. Ah ouais, ah oui, c'est vrai que mon gardien, ouais, il a la puissance pour. Ouais, ah oui, bah oui, il a la puissance pour être un gardien. Ah ouais, d'accord. Ah, fais pas chier, Claude Leroy, le sorcier. Le sorcier. Va chier le sorcier. Bon écoutez, bah les amis, on va se retrouver pour le deuxième match face à Évreux, justement. Évreux FC Football Club 27. Bien, donc on se retrouve pour le deuxième match face à Évreux 27. Évreux, donc l'actuel leader après une journée. Un club assez récent, hein. Je pense que ça doit être une fusion entre un club ou un autre.
Création 2009, ça me paraît un peu court, donc je pense que ça doit être une fusion d'un ancien club avec celui-là. Guillaume Riboulet, donc comme recrutement, 40 ans. Ok, je pense qu'il doit avoir une implication, une implication genre, comment dire, un futur truc dans le staff, parce que quand même à 40 ans. Et Didier Koulibaly. Ah, jeune pousse. Oh, attention. 18 de courage. C'est pas trop mal. Attention. Quand même 40 ans de défenseur. Ça fait beaucoup quand même. Bon alors, on avait dit que ouais, bah, bon, Kébé, ouais, il a pas marqué. Bon, on va peut-être lui donner une dernière chance sur ce match face à Évreux. On est à domicile. Donc on va voir, on va lui donner une autre chance. S'il la saisit pas, bah je pense qu'on. On va devoir, on devra mettre Ndenguila au prochain match. Alors oui, c'est vrai que, comme on dit qu'il n'y a que remplaçant. Voilà, voilà, on va faire ça et puis hop là. Voilà, donc on nous met ça, petit crétin. Ah, tu nous mets pas Ndenguila. Quand même, voilà, quand même. J'ai vu qu'on avait un autre là, Ricklin. Peut-être. Bon, lui, il a fait quelque chose de bien. Ouais, mais c'est pour le côté gauche. L'autre. Ah ouais, c'est pas sûr que ce gars-là, en fait, pas le vraiment MOC, mais je sais pas. Bon. Je sais pas. Bon, on verra plus tard. Allez, on est parti. Let's go. On est à domicile. Bon, est-ce que ça va aider? On va voir. Donc, on va voir la tronche de notre stade version FM. Alors, ils viennent en 4-4-1-1. D'accord. C'est marrant, leur couleur me fait penser un petit peu à Watford, les couleurs tu sais, jaune et noir là, comme ça. Attention, tactique pas simple à comment dire à contrer. Est-ce que cette fois-ci l'autre il se réveille? Il a pas l'air d'être très utile. Favori hein, sur cette rencontre. Ok. Mais faut les motiver un petit peu. Allez, pas top la causerie, mais bon. Allez, on est donc à domicile au MM Arena. Donc dans le grand stade. Le grand stade. On voit pas beaucoup d'images, là on est un peu trop bas. Ça a l'air d'être pas mal comme terrain. Allez, on va essayer de gagner ce match quand même. Qu'on puisse un peu revenir et montrer qu'on existe dans ce championnat. Attention, il est déjà parti. Ouf, heureusement que c'est au-dessus. Bah, s'ils font comme Aubervilliers, moi je dis pas non. Hein. Frappez au-dessus, les enfants, il n'y a aucun problème. Alors, on va les bousculer un peu. Alors, Durand. Durand. Oh, oula, attention. Tango. Ouf, Mensah. Ah, il va nous sauver les miches beaucoup de fois, je pense, Mensah. Ça va être notre sauveur. Attention, Marat aurait pu mieux faire comme dégagement. Ouais, bien, ça c'est pas mal ça. Attention, Copio, ouais. Allez Thibaut, ouais, pourquoi pas, Kébé, voilà, il a bien vu Vincent, il avance un peu, tranquille les gars, ouais, Vardin, ouais, t'as mis un peu Vardin dans la merde, coup franc d'Hubert, bien joué, la contre-attaque peut-être, allez Vardin, allez, cette fois, fais quelque chose là, le changement de côté, bien vu, bien vu, allez, Nkoussou, pas mal, ah dommage, c'est con ça, c'était bien vu. Attention, bien vu Daske. Ah ouais, mais faut. Ouais, encore. Oula, il est parti. Tengue est parti. Pff, heureusement qu'il tire à côté. Le match un petit peu plus nerveux. Hein. Ça part de tous les côtés. Mensah, tranquille. Voilà, avec Mara. Voilà, tranquille. Passeur, pas mal, Nkoussou. Travaille un peu avec le côté gauche là. Voilà, Thibaut. C'est bien parti. Direct, direct, direct. Kébé, voilà. Voilà. Il montre qu'on a bien fait. De lui laisser sa chance une deuxième fois à Papa Kébé. Papa Kébé qui marque sur un super centre de Thibaut. Centre tendu. Et là, tout seul, voilà. Mauvais marquage. Heureusement, Kébé, cette fois-ci, il a compris. Bravo, l'ouverture du score. Ça, c'est bien. Il remonte troisième. Bon, quatrième maintenant. Parce que, il y a un autre club qui marque un but. Guiboyo, attention. Maintenant, il faut. Voilà. Allez, peut-être même mettre le deuxième. Bilo avec Kébé. Kébé, il est en confiance maintenant. Il a marqué son petit but. Kébé. Kébé! Oh dommage, il avait fait une petite percée là. Pas mal, c'est dommage ça. Allez, coup de pied arrêté, est-ce que vous jouez en deux fois?
Oh, vaut mieux direct, hein, au pire. Allez, vas-y, Vincent. En di direct. Ouf, dommage. Koulibaly. Intercepter ce ballon. Attention, la réponse d'Evreux. Et non, Mensah, part pas là comme ça. Putain. Tous les efforts faits réduits à néant par ta sortie stupide. Ah, dommage. Franchement, ça, c'est bête. La Copio qui tire son coup de pied. La Bli tout seul. Et on n'a rien compris. Il est carrément même pas parti, tu vois, sur le joueur encore. Non, non. Mensah, réveille-toi là. Tu nous fais de bons matchs jusque-là. Là, tu nous as mis dans la merde tout seul. Ça, par contre, ça a pas passé. J'aime pas ça du tout. Voilà. Désolé, bah t'es stressé, j'en ai rien à foutre. J'aime pas ça, les gardiens qui partent comme ça à l'aveuglette. C'est un truc qui m'insupporte. Bon, allez. Ah, franchement, ça c'est. D'accord. Ok, non, c'est pas grave. Bon, allez, deuxième mi-temps. Bon, allez, allez, allez. On passe à autre chose. Allez, 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 c'est pas grave, allez. On va essayer de chercher le 2-1. Ah, franchement, allez, bordel, on est à domicile, quoi. C'est Évreux. Bon, allez, ouais, après aussi, quand même, c'est Évreux, mais. Quand même. Dengue, lance bien. Pas d'erreur, Vardin. Avec Mensah, allez, réveille-toi, Mensah. Allez, on a confiance en toi. Allez, c'est une boulette. C'est rien. Allez, passeur. Pas bien, Thibaut. Allez, Thibaut. Pas mal, Nkoussou. Bien vu, avec Vasseur, Vasseur. Eh, un peu seul, mais c'est pas grave. Thibaut. Vasseur de nouveau, Vasseur direct. Oh, dommage. C'est pas fini. Si, Vardin, non, non, c'est bon. On a encore le ballon. Eh, venez l'aider, Vardin, il est tout seul là. Il cherche une solution, il va perdre le ballon. Oh, pourquoi pas. Oh, po. Le coup de canon de Thibaut. Oh, le coup de canon. Oh, le missile de Thibaut. Pouh. Ah là, il a arraché les filets là. Eh, casse pas les filets, on a plus une thune. Hein. Casse pas les filets. Hein. Oh, la passe. Et là, boum, sans contrôle. Oh, le missile Atlas qu'il a foutu. D'accord, Thibaut, pardon, excuse-moi. Non, mais d'accord, Thibaut. Respect, respect, Thibaut. Allez, 2-1, ça c'est bien ça. Allez, allez, Kébé. Allez, Bilo, Bilo. Oh, Kébé, ah, dommage. Oh, Kébé. Vincent, dommage. Oh, on pouvait se mettre à l'abri là. C'est bien, on s'est bien réveillé là. Là, c'est pas mal. Et ils sont casse-pieds. On tient le ballon, ça c'est sûr, on tient le ballon. Mais faudrait se mettre à l'abri là. Allez, Vardin, Vincent. Vincent, il cherche une solution. Vincent, bien pas mal. Vardin, le centre, Bilo. Oh, pourquoi. Oula, dommage le hors-jeu de Kébé. Allez. Ouais. Allez les gars, sentier. Il a bien repris là, Bilo. Là on est bien là, Nkoussou. Il faut en profiter, on est dans un gros temps fort. Thibaut. Thibaut qui passe. Thibaut tout seul. Oh, il centre pour Kébé. Ouf, c'était limite. Et Thibaut. Bien vu, le doublé. Le doublé d'Emmanuel Thibaut. C'est bien, bonhomme. Ah là, ça a joué vraiment collectif, hein. Thibaut le centre pour Kébé qui remet en arrière. Voilà. Thibaut tout seul. Pouf, tranquille, du pied gauche. Allez, au revoir, salut. Voilà, tranquille. Ouais, voilà, c'est qui le patron? Énorme. Énorme, énorme là là. Excellent ça. Gros match là. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est des bons matchs. Là. Ça, c'est bien. Allez, maintenant, on fait pas les cons. Au pire même, on en fout un quatrième. Kébé. Il est tout seul. Ah, oh, il l'a pas vu. Dommage. Attention, Copio. Ils vont vouloir peut-être réagir quand même. Riboulet. Copio. Ah non, là c'est même. Ça c'est Riboulet. Ils cherchent une solution, les gars. Ils essayent de trouver quelque chose. Et il l'a trouvé. Tenge, il est parti. Ouais, Tenge, cette fois, il a pas tremblé. Attention. Il va falloir se concentrer parce qu'ils sont pas non plus abattus, Évreux. Ils se laissent pas faire. Tenge, il a réglé la mire cette fois. Il était parti dans le dos de notre défense là. Mara, mauvais placement de Mara. Ça c'est peut-être un petit peu les. Peut-être la. Ouais, quand même pas mal le stade. Peut-être la légère petite faille de mon truc, peut-être. On va peut-être enlever le jouer le hors-jeu pour l'instant. Bon, le ballon, ça on le conserve déjà, donc on n'a pas besoin de le dire. Peut-être essayer de centrer un petit peu, voilà. On va essayer de centrer un peu parce qu'on a quand même des joueurs de taille, je pense, donc ça pourrait fonctionner. On va quand même faire des changements. Alors, les plus fatigués. Ouais, mais sortir un défenseur, c'est jamais bon. Bref, je sais pas. Bref, non, non. Enfin, c'est dangereux quand même. Trop dangereux. On a vraiment besoin de cette victoire. On va peut-être sortir Nkoussou quand même. Parce que. Ah bah non, mais j'ai pas pris de milieu central. Bravo. Bon, bah désolé. Ah, Bilo, il peut quand même descendre. Ouais, il peut redescendre.
On va faire justement monter crétin. Voilà. Monter crétin. J'ai oublié, faut que je fasse apprendre le métier MOC. Voilà. Voilà. Allez. On va peut-être faire un seul changement au cas où, parce que bon là, ça, on joue bien, hein, donc il n'y a pas grand-chose à changer dans ce match. Allez, les dernières secondes. Bon voilà, allez, on va gagner ce match. Allez, normalement l'arbitre va siffler. Voilà qui est fait. Première victoire dans cette carrière à domicile. Elle fait du bien. Ça a été quand même compliqué d'aller la chercher celle-là parce que Évreux s'est pas laissé faire. Ils ont pas abdiqué, mais bon voilà. Franchement, encore un deuxième match d'affilée où on fout quand même 18 tirs et 10 cadrés. Seulement 3 buts, on aurait pu faire un petit peu plus. Mais c'est vraiment bien ce qu'on a fait. Là, on tient notre belle première victoire. On n'a pas perdu, hein, même si on a fait match nul. On est quand même sur une série de 2 matchs sans défaite. Bon, devant, bah voilà, ça enchaîne les victoires comme des perles. Donc il faudra être à l'affût ou d'un faux pas de ces deux-là. Ou alors, bah carrément les battre en match en confrontation directe. Alors le Maccabi qui fait quand même 4-2. Bah voilà, la réserve de camp 5-0. Voilà, quand on vous met sub, Makengo, ça aide, hein, 5-0 contre Drouet. Le lead, enfin Wassel, le potentiel, le champion qui bat la réserve de Rouen. Ok. À l'amende encore. Ah putain. Ils sont casse-pieds ces gens-là. On a eu que 2 cartons. 2 cartons? Ils sont sérieux, putain. On va féliciter Thibaut hein, qui a fait un grand match. Bon bah nous on se retrouve pour le dernier match de cet épisode face à la réserve d'Avranches. Donc bien, donc on se retrouve pour le dernier match de cet épisode, ce premier épisode inaugural de cette carrière, la World League Management avec le Mans Football Club. On va affronter l'US Avranches réserve. Donc on va voir un petit peu. Normalement on va essayer de gagner. Avranches, la réserve, bah, ils sont avant-derniers en compagnie de Drouet. Donc normalement on devrait choper les 3 points, mais bon, on n'est jamais sûr de rien. Donc on va rester calme. Pour ce match, donc on va cette fois-ci vraiment faire venir Riquelin. Voilà, parce que bon, crétin, voilà pour l'instant. Ouais, voilà. Riquelin, pardon, putain, j'y arrive pas. Sinon après, on était un peu dans la merde, mais il vaut mieux central. J'ai pas eu à changer mon arrière-droit, donc on va prendre Gerbo. Voilà, bon, on change rien, l'équipe va très bien, donc on est parti. Pour ce troisième match de championnat face à cette équipe de la réserve d'Avranches. Donc un 4-2-3-1 similaire au mien. Voir un petit peu la réserve alors. Ah ouais. Donc voilà, ils ont deux joueurs, trois joueurs amateurs, tout ça. J'ai l'impression que pour ce match, ils ont eu droit à quelques joueurs de l'équipe première. Ils sont pas très bien classés. Alors. Est-ce que cette fois mon adjoint il a envie? Non, toujours pas. Je sais pas à quoi il me sert le Patrick Lang. Je l'ai pris comme adjoint, mais c'est un préparateur qui me donne les. C'est un préparateur gardien qui me donne des instructions, quoi. Ouais, c'est vrai que le dernier match était très bien, même s'il y a quelques petites boulettes, hein, par exemple celle de Mensah, mais bon, c'est rien du tout. Hein. Franchement, on a gagné, donc le plus important c'était de gagner. Donc ça va, la causerie s'est bien passée. On peut y aller, donc on est parti. Donc, à Avranches! Face à l'équipe réserve. Allez, on va essayer de faire un bon match. On est parti, let's go. Allez les gars, on enchaîne. Hein. Il faut enchaîner sur une deuxième victoire. Allez, on peut le faire. C'est possible, on peut y arriver. Allez Thibaut. Allez, allez. Vincent, ouais, dommage. Ça aurait pu fonctionner. Allez. On est pas mal dans ce début de match. On a les occasions. On a le ballon comme d'habitude. Allez. On peut y arriver, allez, on peut gagner ce match. Pour l'instant, avec les résultats, on pourrait passer deuxième, puisque Maccabi Paris est tenu en échec pour l'instant. Donc il faudrait peut-être en profiter. Et même. Ah, ça c'est. C'est la réserve de Caen. Il nous revient dessus. Du coup, ouais, il faudrait réagir là. Allez, même Évreux réagit aussi. Nous, par contre, on est un peu apathique là. Je vais les secouer un peu là. Allez, réveillez-vous les enfants. On a 6 occasions déjà. Pas une au fond. Allez, allez. Faudrait peut-être marquer un but là. On n'est pas. On a du mal, hein. On a du mal à être très dangereux.
On a du mal à être dangereux. Je vais gueuler un peu. Voilà. J'ai gueulé un peu. Il faut les bouger là. Deuxième mi-temps. Lui, voilà. Donc on va le terminer. On y va. On est parti. Deuxième période. Allez, faut se bouger un peu. On a les occasions, mais on n'est pas assez dangereux. Voilà, on n'est pas assez dangereux pour espérer marquer un but. Allez, j'espère que dans cette deuxième mi-temps, on va l'être un petit peu. Attention, close. Ouais, bien vu, bien vu. Allez, Bilo. Ah, dommage. Ouais, c'est repris. Afidi. Bon ballon. Vincent, est-ce qu'il a vu? Non, il a pas vu le départ de son défenseur droit. Eh, la faute de Yamadou Fofana. Le tournant du match peut-être. Avranches réserve va se retrouver à 10. L'arbitre va, voilà, s'avance. Il va lui parler et lui dire, allez monsieur, au vestiaire. Demi-tour. C'est terminé pour vous ce match. Allez, peut-être le tournant, il faut en profiter là. Allez, il faut en profiter. Ah, pardon. Allez, le gardien qui dégage. Ouais, bien repris. Afidi. Allez Thibaut. Allez Thibaut, voilà. Kébé. Kébé, change un peu le côté. Ouais, pourquoi pas? Voilà, avec Daske. Daske a trouvé la solution avec Vincent. Ouais, cette fois-ci, il n'a pas servi le défenseur, c'est pas grave. Kébé tout seul, voilà Kébé! Oui, Kébé! Bien, Ibou! Ibou! Wouh! Wouh! Pardon. Vincent, le hibou. Non, je plaisante. Votre bilo pour Ibou Kébé. Et voilà, super, magnifique. Voilà, on profite de l'absence d'un des joueurs de Avranches. Allez, maintenant on enchaîne. Ça, pourquoi pas. Oh, le penalty concédé. Oh, le penalty de Jamal. C'est pour nous. Et en plus, j'avais pas vu, on est passé premier du coup, avec un point d'avance. Et oui, tout le monde se casse un peu la gueule. C'est là peut-être la bonne opération de cette journée, de cette troisième journée. Allez, c'est Afidi. Allez, bonhomme. Bien joué. C'est ça, Afidi. C'est ça, Afidi. T'as raison. Voilà, un bon coup de babouche. Et on nous met à 2 à 0. Ça, c'est bien. C'est bon pour la différence de but. Bien joué. Quand même, il était sur la trajectoire, le gardien. Mais voilà, Afidi avait frappé suffisamment fort pour marquer. 2-0, c'est bien. Allez. Boivson qui dégage. Oh, Mara, bien joué. Kébé, il attend, il cherche une solution. Il l'a trouvé avec Bilot. Bien vu pour Thibaut. Thibaut. Oh! Bravo, Vincent. Stéphane, Vincent. Bien joué, les gars. Très collectif. Ah, ça, c'est beau. Ça fait plaisir à voir. Ça, c'est du beau jeu. Bilot direct en une touche. Thibaut, qui contrôle, il voit que tout le monde lui vient dessus. Pouf! Bon ballon pour Vincent, qui a bien surgi. Bien joué. 3-0. Parfait. Très beau match. Allez, maintenant on va faire tourner un peu Ricklin. Donc on va voir un peu. Ah oui, c'est vrai que c'est mieux que Crétin. Gerbo, on va faire sortir le buteur, le troisième, enfin le buteur du penalty, pardon, le deuxième buteur, Afidi, pour le faire souffler un peu. Voilà, on y va avec ces deux changements, on en garde un en cas de blessure. Allez, on finit les 10 dernières minutes plus le temps additionnel. Un troisième très bon match de notre part là. C'est bien là, là ça c'est bien. Allez, coup franc de Vincent, peut-être le 4-0. Bon! Voilà, pleine lucarne pour Vincent. Bien joué, 25 mètres, Vincent. Stéphane Vincent, 2-0, le doublé. Enfin, 2-0, pardon. 4-0, mais le doublé pour lui. On revoit le coup franc. Très fort, plein milieu. Et le gardien, c'est oh, troué, quoi, Bois. Hein. Boivon, il s'est complètement troué. 4-0. Ouh, ça fait mal. Ah là, on montre notre puissance. On montre enfin notre puissance. Vincent, un petit dernier pour la route, non? Eh non, c'est terminé, 4-0 à l'extérieur. Là, je pense qu'on a frappé fort, on a fait mal, on a montré à nos adversaires, comme la réserve de Caen, Évreux et Maccabi et Oiselle, on leur a montré de quel bois on se chauffe. Voilà, la tactique commence à très bien fonctionner. Maintenant, en plus, avec les entraînements d'attaque, on commence à vraiment à faire mal. C'est pas mal, là, ça, c'est de bon augure, c'est de très bon augure. On voit un peu les autres résultats. Donc, Oiselle qui a même perdu carrément. Ah ouais, j'avais pas vu. C'est même une défaite aussi pour Maccabi. C'est pour ça qu'on profite autant. Et Évreux, du coup, bon, ils gagnent quand même. Mais comme on les avait battus à la journée précédente, on passe devant. Ah, on fait la bonne opération. Alors, Saint-Privé qui se réveille. Hein, 4-0 quand même contre Blois. Ça fait mal. Et Drouet qui continue de se prendre des roustes. Hein. Cette fois, c'est par Quevilly. Par un quadruplé carrément du même joueur. D'accord. D'accord, non mais d'accord, non mais d'accord. Check à la dure. Ah, carrément, c'est check. Eh, si, check. Ouais, bon, c'est checker, mais on dit check à la dure. Qui a marqué. Donc là, c'était on va dire, un derby de réserve. ok.
Bon bah c'est ouais bah, non mais franchement très bon début de championnat. Un match nul. Et encore mais c'est pas possible, on n'a pas le droit au carton jaune dans ce dans cette truc ou quoi? On reçu un carton. Bah on en a reçu qu'un cette fois. Ah ouais, on n'a pas le droit au carton jaune hein, c'est ah non, mais c'est quoi cette CFA2, ça va? J'ai l'impression qu'ils se font les couilles en or parce que bon tu vois, t'as toujours des cartons jaunes dans les matchs. Et ils doivent être riches à la fin de la saison, ces salauds. À coût de 14 euros, tu te dis non, mais c'est rien, mais à la fin de la saison, t'enchaînes les 14 euros là. On leur a déjà donné 42 euros à ces bâtards. 42 balles. Et ils ont déjà de quoi se faire un petit resto, ou ouais, bon, un petit resto tranquille. Petite pizzeria. Eh, salopards. Ah ouais, non, mais d'accord. Ah ouais. Alors au championnat, donc on est premier avec un point d'avance sur nos principaux adversaires, jusqu'à Oisel. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Donc les prochaines journées, bah nous on va, bah moi je vais avancer comme prévu. Je pense peut-être, bon c'est vrai qu'il y a les matchs comme tout ça, mais il faut avancer. Donc on fera, ouais, je pense que le prochain épisode ça va être genre Maccabi Paris plus le match de Coupe de France. Bah, on fera un épisode de match. Voilà, on verra deux matchs tranquille. Donc d'ici là, bah on va avancer. Et puis bah, surtout, on verra comment ça va se passer. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Voilà, dites-moi. Plus dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, commentaires, pouces bleus pour faire connaître la chaîne et tout ça. Si vous voulez acheter le jeu, c'est dans la description. Si vous voulez savoir pour avoir l'update CFA2, il faut aller sur Manager Online. Normalement, vous devrez trouver facilement. Puis ben voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis surtout, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de cette carrière, la World League Management. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine les amis. Salut à tous, ciao!